c'est qu'il n'y a pas un peu de négociation. Non, non, non. On ne négocie ici. In this matter, there is no negotiation. Bien aimé. You are ready. Regarde comment on a coupé la tête de Jean-Baptiste. Look at the way John the Baptist's head was beheaded. Jean-Baptiste voulait que moi Jésus n'a pas intervenu. John the Baptist wanted at least Jesus to intervene. Il a dit, allez demander à Jésus si c'est lui le Messie. He said, go and ask Jesus if he's the Messiah. Ou bien on attend un autre. Or are we going to wait for another? Jésus n'a pas répondu, oui, c'est moi le Messie. Jesus did not answer that. It is I, oui, the Messiah. Moi le Messie. Yes, it is I, the Messiah. Oui, c'est moi le Messie. Yes, it is I, the Messiah. Jésus n'a pas répondu. Jesus did not answer in this way. Il les avait voir. Instead, he answered. Les morts sont ressuscités. Les lépreux sont purifiés. The lepers are cleaned. Les aveugles voient, les sourds entendent, ils parlent. The blind see, the mute hear. Et il y a quand il y avait son pont derrière le mur. Heureux ceux qui ne seront pas scandalisés par moi. Then blessed are those who are not scandalized by me. C'est tout ce que je lui ai donné comme réponse. That's all Jesus gave as an tout answer. Je pourrais dire à part de la négociation, ta tête sera coupée. That's the same. There's no negotiation, this matter. Your head sera coupée. Your head is going to be beheaded. Ta tête sera coupée. Your head is going si to be nous be réfléchissons, c'est pas la peine. Voilà, personne n'a pas. Est-ce que nous aurons le temps même à parler à critiquer les uns les autres? If we reflect about what God's servant will, are we going to have the time to criticize and speak about how Jesus will come? We say we know Jesus, but Jesus truly know us. Si quelqu'un veut faire ce qu'on appelle volonté de Dieu, if someone wants to accomplish God's servant, we know. You say c'est no. C'est pas écrit, c'est pas biblique. It is not written, it is not biblical. Le temps de Marie. In the time of Mary. Mère de Jésus. Mother of Jesus. C'est écrit où? Where is it written? Quel esprit de Dieu va venir sur les bâtiments? C'est écrit à quel but dans le parc? That the spirit of God is going to follow him and she's going to be pregnant. Where was it written in the Bible at the time? C'est écrit où? Where is it written? C'est écrit où? Where is it written? Le temps de Marie. In the time of Mary. C'est écrit dans quel verset? Genèse. In which verse is it written? Ou bien Job. Or Exodus. Que c'est écrit que l'Esprit de Dieu va bénir sur quelqu'un et il va tomber en sein. L'Esprit de Dieu s'est béni. The Spirit of God is going to fall on somebody. Pour la sainte. Is the Spirit of God a penis, not a chain pregnant? C'est écrit où? Where is it written? L'Esprit de Dieu va venir sur moi et l'âme de Dieu m'a. Qu'est-ce que là-bas? Que l'ange de Dieu m'a qui t'a parlé. And the angel of God is going to come and speak to you. No, it's not an angel, it's a demon. Bien aimé. Beloved. Si nous savons. If we knew. Le Dieu qui nous a créé. The God who created us. Si nous savons son projet qu'il a pour nous. If we knew the project. Il a dit projet de paix. He said it's. Projet de paix, pas de malheur. Mais selon lui-même, sa volonté souveraine, que Marie tombe enceinte, vierge, sans connaître âme. Elle est fiancée, n'est pas fiancée, on s'en fout. Quand l'ange est venu devant Marie, when the angel came before Mary, et tu es béni parmi tous les femmes. So you're blessed among all of the women. Vous voulez être béni? Do you want to be blessed? Parmi tous les hommes. Among all men. Parmi toutes les femmes. Among all women. C'est la volonté souveraine de Dieu qui va te faire grand plus que tout le monde. It is God's sovereign will which is going to make you great more. Mais comment tu fais la volonté souveraine de Dieu? Allez mûrir. Allez doute. Tu ne seras jamais grand. Et tu ne seras pas béni parmi toutes les femmes. Tu ne seras pas béni parmi tous les hommes. Impossible. You will be blessed among all men or blessed among all men. It's impossible. Impossible. It is impossible. Marie l'a dit. Mary said. Oh, comment je peux tomber enceinte tant que je ne connais pas homme? How can I be pregnant not knowing any man? Lorsque Marie a expliqué que l'homme de l'éternel descend sur toi. The angel Gabriel said that the spirit of God will fall on you. Attends d'abord, je vais aller demander. Je vais dire ça, je vais aller te tuer. Il n'aime pas entendre ce mot-là. Il ne va pas comprendre. Attends, je vais aller dire ce qu'il a dit. Je vais revenir vers toi. Non, elle a dit que
telle est volonté de Dieu, soit faite, car je suis sa servante. Alléluia. She could have said, hold on, I got to contact my husband because you know that he is stubborn. He does not like that kind of stuff. Then later on, I will give the response. She did not do all of this. I wish she said, may God's will be accomplished in my life. Vous qui parlez aujourd'hui, you will speak today. Vous qui sont là pour critiquer les gens aujourd'hui, you are there to criticize si vous êtes dans le temps de Marie, vous qui dites aux gens que l'Esprit de Dieu est descendu sur Marie, elle est tombée en si j'étais là-bas, nous en avons qu'est-ce que croire. Est-ce que vous pouvez croire? Could you believe? Est-ce que c'est des choses à croire ça? Can you believe? Non, c'est des choses qu'on ne peut pas croire. No, these are things you can't believe. C'est des choses qu'on ne peut pas croire. These are unbelievable things. Si vous ne pouvez pas croire, pourquoi vous voulez dire aux gens que vous connaissez la parole de Dieu? If you can't believe, how can you say to people that you know God's word? Elle a dit que la volonté de Dieu soit faite. She answered, may God's will be done. Je suis servante de Dieu. Because I'm the Lord's handmaid. Vous connaissez la volonté souveraine de Dieu dans vos vies? Do you have God's sovereign will in your life? Est-ce que tu connais la volonté de Dieu? Do you have God's will? Il est le souverain. He is sovereign. Il est le Dieu suprême. He is the supreme God. Il fait ce qu'il veut au ciel. That's what he will il in heaven. Il fait ce qu'il veut sur ses pères. That's as it is the birth. Et c'est lui qui ressuscite. Et tu peux ressusciter. Il peut t'amener en enfer. Il peut t'amener en enfer pour t'amener au ciel. C'est lui seul qui est le dernier. Il peut te blesser. Et lui seul peut te guérir. Il peut te baisser. Il peut te lever. Il peut te couvrir. Il peut te enrichir. C'est lui seul. Who does what I can do? It says all earth is nothing before you. Est-ce que vous connaissez la volonté souveraine de Dieu? Do you know God's sovereign will? Bien-aimé, les gens vous parlent quand vous connaissez le pensée de Dieu. People think as if they know God's will. Romains 7:4. Qui est fort connaît le pensée de Dieu? Who has once known God's will? Et qui est fort été son conseiller? Who has once been qui est pas le secrétaire de Dieu? Who has been God's secretary? Vous êtes où? Where are you? Quand Dieu crée le ciel et la terre. Vous êtes où? Quand Dieu crée les hommes. Vous êtes où? Vous êtes où? Where were you? Et la parole de Dieu, le tout-puissant du Seigneur Jésus de Nazareth, Romains 11, verset 34. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a connu la pensée du Seigneur? You the Lord's thoughts. Oui. Ou qui a été son conseiller? Qui a été son conseiller? Oui, dans le advisor. Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Qui a prêté à Dieu? Who has once? Qui est prêt à prêter Dieu l'argent pour créer la terre? Et aujourd'hui, vous êtes le propriétaire de la terre. And now you are the owners of the world. Qui a prêté l'argent à Dieu pour créer la mer? Et aujourd'hui, vous êtes le propriétaire de la mer. Et vous vous partagez. Le créateur arrive. The creator is coming. Bientôt il arrive. He's coming soon. Il arrive. He's coming soon. Il va créer le ciel arrive. The one who created the heaven. Celui qui a créé la mer arrive. The one who created the sea. Celui qui a créé la terre arrive. The one who created the earth. Celui qui a créé le monde, le ciel, tout ce que vous voyez, vous ne voyez pas, il arrive. The one who created everything that you see and do not see is coming. Tous les animaux appartiennent, les oiseaux, tout appartient. All the animals, the birds belong to him. Il arrive. He is coming. Bien-aimé. Beloved. Quel fort qu'on s'est pensé. Who has once known his thoughts. Regarde la Vierge Marie. Look at the Virgin qui Mary. Peut croire? Who can believe? Qui peut croire? Who can believe? Regarde la vie de Job. Look at Job's life. La Bible a bien témoigné comme il était un homme intègre. Il était un homme droit. He was upright. Lisons Job 2. Job 2. Du premier jusqu'à 6. Verse 1 to 6. Regardez l'homme intègre. Look at this. Just regarde maintenant la volonté souveraine de Dieu dans sa vie, tu peux supporter. Look at God's sovereign life, will in his life, can you handle it? Dieu la parole de Dieu, le tout puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Job chapitre 2, verset 1er au 6e. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu de se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Dieu même a été le témoin de sa
Joseph. Personne ne peut nous entendre. Il est un homme, on ne peut pas comparer. Personne, c'est vrai, ça t'attrape tout le monde. Mais Job impossible, qui peut l'attraper. Job was upright and just man. He just sitting God's every day. Impossible. Que Satan trompe Job. Impossible. It was impossible. Que Satan trompe Job. Il n'y a personne comme lui sur terre. Qu'est-ce que Job il a et il est différent comme les autres sur terre? Pourquoi tu peux témoigner de ça de Job? Il n'y a personne comme Job sur terre. Il n'y a pas, il n'y aura pas. Dieu, tu es sûr? Tu n'as qu'un homme. Only pourquoi tu témoignes de ça? Dieu il est Dieu. God is God. Il sait la volonté laquelle il a mis sa vie. He knows his will which he could la volonté souveraine de Dieu dans la vie de Job. Vous pouvez supporter le mot-là? Can you handle God's sovereign will in Job's life? Vous pouvez supporter? Can you handle and endure? Bien aimé, vous pouvez supporter ce que Job a traversé? Tu peux supporter? Est-ce que nous pouvons supporter? Il n'y a pas ça comme lui. Il n'y a pas, il n'y aura pas. Vas-y. C'est un homme intègre et droit. Regardez, un homme intègre qui fait différent pour les hommes sur terre. He's an upright man who is different from other people. Il est un homme intègre et droit. He was upright and just. C'est de coup de ça il fait différent au monde. That's what made him different from the world. Le monde n'était pas intègre. The world was not. Le monde n'était pas droit. The world was not. Job était intègre. Il était droit. He was also upright. Ouais. Dieu. Il craint Dieu. C'est un homme qui craint Dieu. C'est un homme qui craint Dieu. Ouais. Et c'est détourné du mal. Il détourne toujours ce qu'on appelle mal. J'aime se détourner de ce qu'on appelle mal. Parler mal de quelqu'un n'est pas dedans. À 5 ans, pour moi, parler de quelqu'un n'est pas dedans. Et l'homme qui ne mange pas sur le concept méchant des hommes. Job n'est pas dedans. Oui. Il devient ferme dans son intégrité. Il est ferme toujours dans son intégrité. Regardez les qualités qui ont été faites différentes que tous les hommes dans ce monde. Et tu deviens grand. Et tu as des titres. Tu as des noms devant Dieu. Mais sa vie ne l'appartient pas. Dans toutes les qualités qu'on peut citer de l'homme. Mais la vie, sa vie ne l'appartient pas. Ouais. Et tu m'excites à le peindre sans motif. Bien-aimé, Satan incite Dieu à perdre Job. Satan incite Dieu à perdre Job. Tout ce que Job a traversé. All that Job went to. Et si c'est toi, if it were you, tu peux encore appeler Dieu, you used to call tu peux prier pour Dieu encore, can you pray to God? Tu peux prier pour Dieu, can you pray to God? Tu peux encore attendre Dieu, can you hear God? Oui. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étant ta main touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Bien-aimé, beloved, la vie de Job est dans la main de Dieu. Job's life is God's hand. Dieu est en train de livrer Job à Satan. God is delivering Job to Satan. Dieu est en train de livrer Job à Satan. God is giving that Job to Satan. Pourquoi Dieu peut faire ça chose? Why can God do such a thing? Pourquoi Dieu peut faire ça? Why can God do that? Un homme qu'on ne peut pas avoir dans le monde. A man that we cannot have. Un homme qui a personne comme lui. A man who is not true. Il est droit. Il est juste. Il est un homme qui craint Dieu. Il est un homme qui est ferme. Il se détourne du mal. Comment penser que Dieu peut livrer Job? La Dieu aussi livre les gens. So bien aimé, comme tu ne connais pas la volonté de Dieu,
à partir d'aujourd'hui autour de moi. Si les gens se lèvent contre toi, si les gens se lèvent, peut-être c'est Dieu qui a permis. Peut-être Dieu a permis que les gens se lèvent contre toi. Peut-être c'est l'émission de ta vie. C'est la volonté de Dieu dans ta vie. Que Satan se lève. Satan te touche. Satan te détruit. Détruit tout ton bien. Mais que c'est la volonté souveraine de Dieu dans ta vie. Dieu aussi livre les gens. C'est pas lui l'escalier, c'est même plus lui les gens. Dieu aussi livre les gens. Dieu aussi trahit les gens. C'est pas lui l'escalier, c'est lui. Qu'est-ce que Job a fait dans tout ça là pour que Dieu va le trahir? Job doing all of this? C'est pourquoi il y a des choses que j'ai compris pour longtemps. Maintenant, tu peux tout dire, je ne te regrette pas. Comme Bagdad dit, peut-être c'est Dieu qui a des chimères de l'insulter. Peut-être c'est Dieu qui a des chimères de l'humilier. Mais après cette humiliation, après cette honte, Dieu aura compassion de moi. Peut-être c'est Dieu qui les a incités pour qu'ils diffament mon nom partout où il veut. C'est Dieu qui veut. Peut-être c'est la volonté souveraine aussi dans ma vie. I do not like you. Mais chaque jour, tu s'assois dans mon fauteuil avec tes fesses. Tu s'assois, tu manges mes fesses. Tu dors dans ma chambre. Ou bien tu ne manges pas, je mange. Tu vas à l'école, tu as ton voiture, tu as tout. Tu fais ça dans la vie. Pourquoi je veux tout ça là pour toi? Oui, parce que c'est une grâce. He loves me. David a compris vite. Il a dit à ce David, arrêtez ça. Et après, Dieu aura compassion de vous. C'est comme ça, au fond de Dieu, tu dois comprendre les choses dans ta tête. Quand tu vois les gens se lèvent contre toi, comprends que c'est la volonté de Dieu. Peut-être à travers ça, Dieu va faire ce qu'il veut dans ta vie. Mais cessez de se plaindre. Stop complaining. Je ne suis même pas. 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 Toi là, tu as un problème.
I know this, I recognize he does not love me, she does not love me, that person does not love me. You are going to have problems. You have problems. You are going to have problems. L'amour de ce monde, tu ne veux pas. Si Dieu s'aime, ça suffit. Si le monde t'aime et Dieu ne t'aime pas, tu iras où? Non, on ne le croit pas. Mais si Dieu te croit, ça va. Si un nombre te croit, Dieu n'est pas avec toi. Absalom a saisi tout le cœur de tout le monde en Israël, mais pas le cœur de Dieu. Absalom deceived everybody's heart, but not God's heart. Pas le cœur de Dieu. Not God's heart. Faisons attention. Dieu peut livrer. Dieu peut livrer. Là, ne vois pas les gens pour dire, lui ne l'est pas, lui ne l'est pas. C'est Dieu qui est là, il t'a livré dans la main là. Laisse Dieu faire ce qu'il veut faire. Quand il est fini, au moins quand Dieu livre, j'ai dans la vie de Satan, au moins la vie ne touche pas sa vie. Alléluia. So when you like these other people are insulting, you don't say that he hates me, he loves me. No, just let things happen. Maybe it's God who is doing his will in your life. Because we know at least when after God delivered him up to Satan, God said that you not touch his life. Il ne touche pas sa vie. Don't touch my life. Il ne veut que Dieu lui donne tout son ennemi. On a tous ses ennemis. Jésus ne l'a plus aimé. Père, pourquoi tu m'as abandonné? Père, pourquoi tu m'as abandonné? Il a pleuré. Il a pleuré. Il dit, mon âme souffre jusqu'à la mort. Eh, mon disciple, pourquoi vous me donnez mon âme pour mon âme? Oh, my disciple, why is the kitchen break for you? Il grouille seulement. They will be growling. Vous ne pouvez pas prier pour mon éditeur. Je l'ai donné si bien. Priez pour mon éditeur. La volonté de ce de Dieu n'est pas à faire. On peut prier un éditeur, ça ne change pas. Et ça ne changera pas. Les gens n'arrivent pas à comprendre. Et je dis Dieu qui m'a fait comprendre ça. Et je veux le partager à toi de comprendre quelque chose. Quand tu ne connais pas quelque chose, Le mensonge du diable. Quand on met les jumeaux au monde,
When Jesus born, he said to produce a little baby, my son. He's supposed to be born in the Mason person. Maintenant, nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus lui a répondu, vous croyez maintenant. Voici l'heure vient. Le Dieu! Quand on fait la volonté de Dieu, le Dieu! Vous serez tous chacun! Et vous serez seul! Mais celui qui m'a donné cette volonté souveraine, il ne me laissera pas seul. Il est avec moi. Oui! Et elle est déjà venue. Oui. Vous serez dispersés chacun de son côté. Et où vous me laisserez seul. Ouais. Mais je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Car le Père est avec moi. Ouais. Je vous ai dit toutes ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Ouais. Vous aurez des tribulations dans le monde. Toi, c'est ton test,
une femme de cette société. Arrête ce que je dis. Vous avez le même Je vous ai dit que vous avez le trois fois avant que le talk soit. Kokorobo! Qui a déjà régné Jésus trois fois. He denied Jesus three times. C'est pourquoi dans l'enlèvement, quelqu'un n'est pas allé. Le moment que Satan est en train de torturer, les gens l'ont attrapé en évangile. Tu vas renier Jésus bien, tu vas prendre la main de la bête ou bien tu ne vas pas prendre. Ou bien tu vas renier Satan. Il dit non, Pierre a renié Jésus trois fois, moi j'ai renié Jésus. Un, j'ai renié deux. Ils ont compté jusqu'à arriver mille. On dit c'est bon, monsieur, c'est bon. C'est bon. Il ne faut pas aller mille, c'est bon. Il dit non, je vais continuer. C'est Pierre lui-même qui était avec Jésus. Il a renié lui trois fois. C'est moi qui ne peux pas renier. After the rapture, when Satan will come and everybody's taken up, he's going to catch an evangelist. And they ask him, are you going to deny Jesus Christ? And he says, if it's Peter who denied Jesus Christ three times, am I not going to deny Jesus Christ? I'm going to deny him the first time, the second time, the third time. I can go all the way to 1,000 if you want. They said, no, don't do it. Do not deny me. All the way until 1,000 times. Bien-aimé. Beloved. La paix de volonté de Dieu. Doing God's will. Cette liste est longue. The list is long. On ne peut pas finir. You cannot finish all of it. Volonté de Dieu. God's will. Souveraine. God's sovereign will. Quoi? What? Regarde, on te met au feu. Look, you're taken and you're thrown in fire. C'est ça que Dieu veut. But that's what God wants. On te donne lion. You're thrown. Et c'est ça Dieu veut. And that's what God wants. On te jette dans l'acide. You're taking it. C'est ça Dieu veut. That's what God wants. On te met dans l'eau. Tu glou glou glou. Le vent est sorti comme il y a 40 bébés dans le vent. Et tu vas renier Jésus? Il dit non. Allez bon. Tu ne parles pas. On te met glou glou glou. C'est ça la volonté de Dieu. You're taking drowning water. Oh, you begin to drink water until your stomach's bloated up as if you have 40 babies in your stomach. They take you out. They ask you, are you going to deny Jesus if you do not speak? They put you inside again. You say, look, look. That is God's sovereign will. C'est ça la volonté de Dieu. That is God's sovereign will. C'est ça la volonté de Dieu. That is God's will. Tu connais la volonté de Dieu? Do you know God's will? Bien-aimé. Beloved. Regarde Abraham. Look at Abraham. À cause du temps, on ne va pas lire Genèse 12, 1 à 3. Because of time, we'll not read it in Genesis 12. À l'époque, il s'appelait Abraham. Until 3. At the time, he was called Abraham. Il s'appelait Abraham. Dieu a demandé Abraham de partir de sa maison. God asked him to leave his de household. Son père, de sa mère. From his mom, from his dad. C'est sa première fois qu'il a entendu cette voix. It was the first time he heard this voice. Aujourd'hui, les gens disent non. Et quand tu entends la voix première fois, il faut prier encore. Prends ta deuxième, troisième main. Il va attendre. Abraham, c'est la première fois dans sa vie. Il a entendu cette voix. Que je suis le Tout-Puissant. Quitte la maison de ton père et ta mère. Et quand il est quitté, il n'est plus retourné jusqu'à la fin de sa vie. People say, when you hear the voice, you need to pray to hear a second time. You need to pray to hear a third time in order to be sure. However, Abraham was told, leave. It was the first time he ever heard this voice. He left his father's house. He went all the way to Canaan and he never returned back again until he died. Regarde Job. Look at Job. Ses enfants, 10 sont morts. 10 died. Satan l'a touché. Satan a détruit tous ses biens. He destroyed all of his goods. Tu peux avoir un cœur là? Can you have this heart? Tous tes enfants meurent devant toi. All your children die before you. Ils sont enfants, ils ne sont pas tombés malades. Et blou, 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 tout le monde meurt. They're not sick. They're in their comme Dieu dit de ne pas toucher la vie des gens, mais il n'a pas interdit pour ses enfants. Il a touché tout le monde qui sont autour de Job. But all of a sudden, your children fall one after another. Yes, God said to not touch Job's life. Il a touché la vie de tout le monde qui sont autour de Job. So he touched everybody's life. Tout c'est bien. Il a consumé avec le feu de Dieu. He consumed all of his goods with God's fire. Ça veut dire Satan fait un avec Dieu pour détruire les enfants de Dieu qui sont agréables à ses yeux. What does that mean that God is making one with Satan in order to destroy everything that belongs pourquoi to the children Dieu of God who are pleasing in his eyes? Why can God permit such a thing? Bien-aimé. Beloved. Et après la femme de Job dit à Job, maudit Dieu et puis tu meurs. And then later on, Job's wife tells him to curse God and et die. C'est Satan qui parle. And it's Satan who's speaking to c'est her. Satan qui parle. It is Satan who's talking vous to connaissez her. La volonté de Dieu? Do you know God's will?
Abraham a dit de quitter son père et sa mère. Abraham was told to leave his father and mother. De quitter son père et sa mère. To leave his father and mother. Sa première fois. That was the first vous time qui aimez à critiquer les gens. You like criticizing people. Vous qui aimez à critiquer les gens. You love criticizing insulter people. Les gens. Insulting vous them. Connaissez ce qu'on appelle la volonté souveraine de Dieu. Do you know God's sovereign will? Vous parlez seulement, non? You only speak. Vous savez ce qu'il y a au fond? Do you know that deep? Kotoku balo toi t'es quoi? Kotoku balo toi t'es quoi? Un sac vide. Et toi, tu dis pourquoi? Un sac vissé tenu debout, vous avez pas vu? Have you once seen an empty sac stand up straight? Magic. Là, ça c'est une magie. That's magic. Kotoku bon la tête là. Un sac vide va se tenir redressé debout. Ah. An empty sac standing straight. Mujoko. Ça ne s'est jamais produit. It has never happened. Mujoko. Ça ne s'est jamais produit. It has never occurred. C'est comme ça la vie d'Abraham. That's how Abraham's life was. C'est comme ça la vie d'Abraham. That's how Abraham's life c'est was. C'est pas facile pour lui. It was not easy c'est for him. C'est vous qui critiquez les gens aujourd'hui. If you criticize si vous êtes dans la famille d'Abraham le jour-là, if you're in Abraham's family on that quels day, quels sont les conseils que vous allez donner à Abraham? What advice would you be giving to Abraham? Vous allez dire Abraham. You would say Abraham. Abraham. You would say Abraham. Vous allez le dire. You would say to Abraham. Que la voix là. Vous allez le croire que c'est la voix de Dieu. Are you going to advise him that it's God's voice? Bien aimé. Beloved. Ne laisse pas personne de te persuader. Do not allow anybody to dissuade ne laisse you. Pas personne de t'effrayer. Do not let anybody else to scare si you. Si quelqu'un te dit qu'il faut aller à l'école, dis-lui qu'il n'a qu'à dire à sa maman aussi d'aller à l'école et sa femme aussi d'aller à l'école. If somebody tells you to go to school, say to them, let your mom go to school sa and your dad go to school. Sa maman, ses oncles, dans leur famille, là, il y a des tarés. Tous n'ont qu'à aller à l'école. Tell them that in your school, in your family, there are also people who don't go to school. Let your father, your mother, your uncle, let them tous go to school. Tous n'ont qu'à aller à l'école. Let them go to school. Vous croyez que c'est le diplôme qui amène les gens au ciel? Do you think it's the diploma which brings you? Il y a des gens qui sont riches, très riches, mais ils n'ont pas mis leurs pieds à l'école. Je vous dis vrai. Some people who are wealthy, rich, however, they do not go to school. Vérifiez seulement, vous allez voir, même les joueurs, ils n'ont pas été à l'école. Mais regardez leur compte de milliards. Just verify, even the players, they did not go to school, however, their accounts, there are billions in regardez school. La plupart des boxeurs, regarde, ils ne connaissent rien à l'école, mais regarde leur compte. Even most boxers, they did not go to school. Et toi anything, qui l'as servi Dieu, and then you toi qui as fait ce que Dieu veut de toi, and do what God wants c'est toi que Dieu ne peut pas bénir. Then now God bless you. J'ai dit Abraham, quitte la maison de ton père et ta mère. God said to Abraham, leave your father and your mother's house. Si on a fait bien les analyses, if the analysis were to be made, si Dieu il est bandit, is God a bandit? C'est pas Dieu qui a dit qu'on n'a pas obéi nos pères et nos mères? Did God not say to obey your parents? Comment il peut pas créer ces cisanies au milieu de nous? How can he create this? Ça on appelle cisanie, vrai. This is a conundrum. Comment Dieu ne peut créer ces cisanies? How can God create this? Comment il peut créer ça? How can he create it? Hein? Ça fait les parents? Without warning the parents? Ils s'en foutent de quoi parents? Vous ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur terre. Non, la paix, la division. Don't believe I came to bring peace on this earth. No, not peace, division. Il a dit ça, division. He said division. Ne croyez pas qu'il y a la paix. Don't believe that there is peace. Vous croyez comment l'amour que le papa d'Abraham, comment il aimait son enfant. Vous croyez que ça sera facile d'accepter ce que son enfant vient de le dire. Look at Abraham's father's love that he had for his child. Do you think it was easy for him to accept what his child was telling him? Vous croyez que c'est facile, sa maman va laisser son enfant partir comme ça. You think it was easy for his mom also vous to croyez que les hommes vont laisser leur enfant partir comme ça. Easy for the uncles to ce qui est pire dans cette affaire. What's worse in this matter? Ce qui est pire dans cette affaire. What's worse in this matter? Et Daniel, il ne connaît pas même. He's going where he doesn't c'est le pire know. Même. That is the worst part of it. On n'a pas refusé, Dieu t'a parlé. Okay, no il n'y a pas de problème. God spoke to you. There tout no ça, Dieu qui est à la maison, là, il n'y a pas un Dieu là qui t'a parlé. All of these gods you are home, none of them spoke to you. Et un Dieu étranger. And then a strange God. Un Dieu prostitué. A prostitute God. Un Dieu addicteur. An adulterer God.
Un Dieu bandit à qui te parle tout ce coup. And God speaks to you and you hear. Là, tu veux humilier le Dieu comme ça. So you want to humiliate our God. Papa, just je like n'ai pas humilié votre Dieu, mais lui, la voix m'a dit que c'est lui le tout puissant. Regardez-toi là-bas. You know what he said? It's only God's Bible. He told me that he is vous, the Almighty. Vous voyez les amis qui ont humilié. Do you see the conundrum? Le pire, il va là, il ne connaît pas. The worst part is that he's going where he does not know. Mais il n'y a rien qui a changé. Oh, there's nothing which changes this decision. Il n'y a rien. There's nothing. Qui a changé sa décision. That changes this decision. Ah, il dit, personne ne peut pas s'opposer. He said, nobody's going to oppose me. Mais les gens l'ont suivi. But people follow him. Vous imaginez ce que les oncles, les tantes, les, tout le monde, les cousins, tout le monde m'ont dit. Vous croyez que quelqu'un va parler de quelque chose qui est bon? Tout le monde sera opposant de Dieu. You can imagine what the uncles, the aunts, the family, what they said. Do you think somebody can do that? Ses amis, vous croyez que quelqu'un va les laisser comme ça? No, they're going to oppose. Tout le monde va parler. Even his friends pour s'opposer. Just to oppose him. Pour s'opposer. Just to oppose him. C'est la volonté souveraine de Dieu. To oppose what God says. C'est pour s'opposer. To oppose. S'opposer. To oppose. Mais however, il ne s'est pas laissé. He did not allow. C'est Abraham. Abraham. Abraham ne s'est pas laissé. Abraham did not allow himself. Il a obéi cette voix. He obeyed the voice. Et il est sorti. And he came out. Et Balaam ne connaît pas. He went where jusqu'à traverser en Égypte. On a arraché sa femme. Sa femme c'était sa petite sœur. Petite sœur de même père. Same father. Pas même mère. But not same mother. Bien-aimé. Beloved. Il va, il ne connaît rien, il va jusqu'à perdre sa femme. He was going away, il est obligé de dire, c'est ma petite sœur. Et en vérité, c'est sa petite sœur aussi. And truly, it was his little sister. Bien aimé. Beloved. Et Dieu était avec lui. And God was with him. Dieu ne l'a jamais abandonné. God never abandoned him. Quand tu fais ce qui est la volonté souveraine de Dieu, when you do what's called God's sovereign will, Dieu s'approche de toi encore. God will get near to you. Est-ce que tu peux permettre à Dieu de faire sa volonté souveraine? Il est Dieu souverain, il est Dieu suprême. Tu peux le permettre? He's a sovereign God, he's a supreme. Tu peux faire sa volonté à Dieu? Can you allow God to do his sovereign will in your life? Tu peux refuser. You can refuse. Tu peux accepter. You can accept. Il ne demande pas ton avis. He does not ask for your advice. Tu veux, tu ne veux pas. Il ne demande pas ton avis. He does not ask for your opinion. Jonas dans la Bible. Jonas in the Bible. Bon, prêcheur, Nini. Go preach to Nineveh. Que la passe repentir. Sinon, je fais ça. I wasn't going to do this. Jonas dit, je connais Dieu. Jonas said, I know God. Un Dieu d'amour. He's a God of love. Je vais aller faire la bouche là-bas. I'm going to do. Et après, quand Dieu ne va pas l'aider de lui, c'est moi qui m'appelle jamais de ma vie. Il y a des gens qui n'ont pas encore le peuple menteur. Il y a des gens qui n'ont pas ça. Mais lui, c'est pas Dieu. Wow. Il y a des gens qui n'aiment pas quand on dit que tu mens. Il y a une préfère de fuir. So they prefer to flee. C'est où tu peux aller? But where can you go? C'est où tu peux aller pour fuir à Dieu? Where can you go to run away from God? Psaume 139. Psalm 139. C'est où? 1-5. C'est où tu crois que tu peux aller? Where do you think you can go? Et Dieu ne te voit pas. And God will not. Et il ne te connaît pas. And he does not know. C'est où? Where can you go? Il a fui. You ran away. Ouais. La parole de Dieu, tout puissant, du Seigneur Jésus de Nazareth. Psaume 135, verset 39. 39, premier verset. 1-5. Premier verset au cinquième. Au chef des chants de David, psaume. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètes toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Je vais fuir Dieu. Je vais fuir from God. C'est où tu vas aller? Where are you going to go? Il a fui pour aller rentrer dans le bateau. He ran into the boat. Même le bateau Dieu est là. But even in the boat, God is there. Dieu a souqué le bateau. God shook the boat. Et les gens commencent à avoir peur pour mourir. People were scared. Et tout le monde a commencé à prier à Dieu. And each one began to call upon the God. Jonas lui dormait là. Jonas was sleeping. Quelqu'un dit, mon frère. And somebody said, my brother. Dans cette affaire là, c'est toi qui dors. In this circumstance, you're sleeping.
Ça veut dire? Il n'a pas dit anything to you? Il dit non, le problème c'est moi. No, in fact, the problem is me, he said. Si vous pouvez me jeter seulement dans l'eau. If you just take me and throw me into the sea. Oh, vous serez épargné. No, you will be spared. Mon frère, tu peux te jeter dans le feu. My brother, you can be thrown into the fire. On peut te jeter dans la cible. On peut te jeter dans la peau des lions. You can be thrown into the lion's den. Parce que tu ne fais pas ça pour te sauver. As long as it's not you, God's sovereign will. Tu ne peux pas quitter. You cannot leave. Les gens disent non, c'est fou. People say, no, that is foolish. Comment it's dumb. Tu vas rien faire. I threw it into the sea. You did nothing. Vous voyez, quand vous me parlez, vous voyez le vent commencer à arrêter. You see how you're speaking to me, the wind is c'est moi le problème. It's coming down and telling me to me the problem. Vous ne me croyez pas. Don't you believe? Dieu m'a envoyé d'aller annoncer les gens de Nineveh. Je les connais, les bandits là. Tu vois, ils insultent. J'ai refusé. God sent me to go and announce preach to the people of Nineveh. I know they're bandits. Ça fait des choses. Il est derrière moi comme ça, comme un bébé. Je ne parle. Je te montre. And the reason is behind me like a baby. I will not go. Ah, c'est toi le gardien. Ah, it's yourself who said. Et ils l'ont pris, single. And they took him. Single. Puis boum dans l'eau. Single. Il est pas regretté. He did not regret. Il a pas peur de la mort. He's not scared of death. Faut pas être comme Jonas. Faut pas être comme Jonas. Not be like Jonas. Quand elle s'est perdue. When you are thrown into the sea. Le poisson qu'il a avalé. It's a fish which swallowed. C'est son premier avion que Jonas a pris. That was the first airplane that Jonas took. Oui, c'est avion. Yes, it's an airplane. Et avion là, mais quand le chemin est long, il a fait 3 jours. Because the way is long, it took 3 days. C'est l'aéroport. And he spit him out at the airport in Nineveh. Il a fait ce qui a volonté souverain de Dieu. And Jonas accomplished God's sovereign will. Volonté souverain de Dieu. Tu veux, tu ne veux pas. Tu es d'accord, tu n'es pas d'accord. Tu vas le faire. When it comes to God's sovereign will, whether you agree or not, whether you want or not, you are going to accomplish it. Malgré quand il a fait, il est venu assis sur l'arbre. Il dit, Dieu faut les frapper. Dieu faut les tuer. Dans sa tête là, il veut que Dieu le quitte toujours. Quand Dieu a fait tomber tous les arbres sur, la, sur l'arbre là, quand je se frappe sa tête là, il dit, je connais Dieu, non? Je connais Dieu, il ne veut pas le tuer. Après c'est moi qui suis menteur. After going and preaching to Nineveh, he came back and he was laying down and there was a spring which grew to give him shade. And then he was still saying in his heart that God struck him, God killed him, God destroyed him. When the leaves fell off, he said, you see, I know God. He's not going to kill him. Abraham a quitté sa maison. Abraham left his house. Et les gens meurent. And people were dying. Les gens soif. People were thirsty. C'est quelle maison Abraham a construit? What house did Abraham build? C'est quelle maison? What house? Quel étage? What story we building? Bien aimé. Beloved. C'est vrai une richesse quand tu as tes parents qui sont en vie. It is true. Your riches are when your parents are dead. C'est une grande richesse. It's a great riches. Ils ne sont pas encore morts. They're not yet dead. Et puis je te dis, quitte-le. And God tells you to leave them. Wow. Quitte-le. To leave them. Wow. Mais c'est de là on va avoir nos bénédictions. But that's where you're going to receive your blessings. Quitte-le. God tells you, leave them. Je m'en fous de la bénédiction. Quitte-le. I do not care about your blessing. Leave them. Et Abraham a quitté son père. Abraham left his father. Vous croyez que c'est une joie pour lui? Do you think it was? Oui, je quitte mon père. No. Oh yes, I'm leaving my dad. C'est quelque chose qui est douloureux. It was something which was painful. C'est quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Que ça peut arriver un jour. Which cannot be imagined that it would happen. Avec tes parents un jour, puis on vous sépare. You with your parents, then one day you separate. Un jour, on vous sépare comme ça. One day you separate just like sans that. Sans rien faire. Without doing anything. Abraham n'est plus retourné jusqu'à il est mort. Abraham did not return back to his. Quand tu fais ce qu'on appelle la volonté souveraine de Dieu, when you accomplish what God's sovereign will, c'est là que tu deviens grand. That's where you become great. Et Dieu change ton nom. And God changes his name. C'est là Dieu oublie plus de tu es Abraham. God is obliged to say that you are. C'est le père de la foi. You're the father of faith. Tu es mon ami, tu es prophète. You are my friend, you are a prophet. Tous, Pharaon, Dieu dit à Abraham, va prier pour lui. Pharaoh, God sent Abraham to go to pray for Pharaoh. Et il a pris les biens là-bas. And he took all the goods which were there. Bien aimé. Beloved. C'est comme ça que tu fais. That's how God does. Dieu dit à Abraham, comme tu me crains. God sent Abraham, as you fear me.
je voulais voir si tu me crains. I wanted to see if you feared me. Quand j'ai dit Agar, quand il est tombé enceinte, vous êtes content qu'on va vous donner des enfants. Quand la paix est née, Ismaël, il dit, chef Agar et son enfant Ismaël. When Hagar became pregnant and gave birth to Ishmael, c'est pas à négocier quoi. I told to take Ishmael and chasse-le. Kick them out. It's not to be negotiated. Kick them out. Ils l'ont chassé. And Abraham kicked Hagar and Ishmael. Et maintenant son enfant vient encore. Tue-le. And then Isaac also comes and God says, kill him. C'est que cet individuel n'a rien dit à sa femme. It is if this individual did not say anything to his wife. Nothing. S'il avait dit ça à sa femme, and he said something to his on wife, ne pas, on va plus lire l'histoire d'Abraham à rester là-bas. Abraham said we stop there. Parce que Sarah avait dit tue-moi premièrement d'abord. Because Sarah would say kill me first. Tant que tu ne tues pas Isaac, Isaac fuit. As long as he's not killed me, Isaac will kill his child. Isaac, flee, run away. Je lui fuis, cours. I'm saying run, go. Tu n'as pas de tuer. Your dad wants to kill me. Il est fou. He is malade. He's going down. He's sick.